Salam à tous, bienvenue sur notre chaîne Suspense Factory. On espère que vous allez bien et que vous profitez un max de ce mois béni. Ceux qui passent par là, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours très 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 plaisir. Pour ce soir, on vous a concocté une petite compilation d'affaires étranges. Donc sans plus attendre, prenez donc place, petit caisse à taille, lumière tamisée et silence, ça commence. Écoutez l'histoire terrifiante de Joumana, étudiante à l'université dans une ville du Maghreb. Joumana est une étudiante sérieuse, partie à quelques kilomètres de chez elle, afin de poursuivre sa scolarité. Elle a donc eu une petite chambre d'étudiante qu'elle a partagée avec son amie Feriel. L'année a bien commencé pour les deux jeunes filles. Chacune a bien réussi son adaptation. Et les jours défilaient normalement. Chacune avait son emploi du temps, alors il n'était pas rare qu'elles se croisent à peine pendant la journée. Joumana se retrouvait donc seule parfois dans la chambre. Et peu à peu, elle a commencé à ressentir un malaise, une peur effrayante dans son cœur. Quand elle essayait de savoir pourquoi, elle se rendait compte que c'était quand elle regardait dans le coin de la chambre où logeait Feriel. Elle avait l'impression de voir passer une ombre, une personne, d'être observée. Pire, que quelque chose de sombre la fixait quand elle travaillait. Parfois, elle entendait des bruits, des affaires tombées, et prise de panique, elle sortait alors en courant de la chambre, persuadée qu'une présence malveillante était là. Un jour, Joumana est partie en cours. Elle a laissé Feriel à la chambre. Ce jour-là, Joumana a aussi fini ses cours plus tôt. Vers midi, le temps du trajet, elle retourna à la chambre vers 13h. En rentrant, elle trouva Feriel assise sur son lit à elle, donc sur le lit de Joumana, tête baissée, comme si elle observait ses pieds. Elle est alors allée s'installer sur le lit de Feriel. En parlant avec celle-ci, lui racontant sa matinée, quand elle s'est alors rendue compte que Feriel n'interagissait pas avec elle. Elle ne lui répondait pas. Alors elle lui dit « Mais Feriel, tu n'as pas été en cours ? Hé, qu'est-ce que tu as ? Tu réponds pas ? Mais que se passe-t-il ? » Pas de réponse. Elle lui dit alors sur un ton énervé « Hé, je te parle ! Réveille-toi ! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché ou quoi ?» Quand tout d'un coup, le téléphone sonna. Quand elle a pris son téléphone, Joumana a failli s'évanouir de peur. Elle a senti que son cœur allait exploser. Elle voyait que c'était Feriel qui l'appelait. Mais pendant un instant, elle s'est dit « Oh non, on lui a volé son téléphone, c'est la seule explication. » Et là, elle crie à Feriel. « Feriel, c'est bizarre, on t'a volé ton téléphone. Parce que quelqu'un m'appelle là avec ton numéro, c'est trop bizarre. » Mais encore une fois, aucune réaction de celle-ci. Joumana, qui se persuade qu'il s'agit d'un vol ou autre, décide de décrocher. C'est alors qu'elle entend Feriel lui dire « Hé, salam toi, ça va ? Bon, je rentre là, t'es où toi ? J'ai fini les cours, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ?» Tétanisée, Feriel, pendant quelques secondes, sera dans un brouillard. Elle écoute Feriel et elle regarde Feriel sur son lit. Son cœur, épouvanté par la situation, a perdu toute raison. Elle s'est évanouie et lorsqu'elle a repris ses esprits, c'était dans les bras de ses voisines de chambre, enfin de dortoir, après qu'elles aient essayé de lui faire prendre conscience avec des petites tapes sur le visage et avec du parfum pour la faire revenir à elle. Elles lui ont dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Joumana ? On t'a trouvé dans le couloir en train d'hurler, le regard fixe, tu hurlais !» « Ne me touche pas, ne me touche pas, recule, recule !»
C'est alors que Jumana leur a raconté à son tour qu'elle était rentrée des cours et qu'elle avait trouvé Feriel sur son lit silencieuse. Mais qu'après son tel avait sonné. Et au bout du fil, c'était aussi Feriel. Et alors, elle s'était demandé qui était cet esprit devant elle qui avait pris l'apparence de Feriel. Alors les voisines de Jumana se sont mises à lui confier que quand Jumana s'était mise à hurler dans le couloir, elles aussi, elles avaient vu une personne à l'apparence de Feriel sortir de la chambre et disparaître dans les couloirs. C'est une histoire restée sans explication, puisque quand Feriel rentra à la chambre, les filles lui racontaient alors ce qu'il s'était passé et elles-mêmes n'avaient pas d'explication. Soulignons ici l'importance de faire ses protections en sortant de chez soi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en lui et il n'y a de force ni de puissance qu'en lui. Et en rentrant chez soi, Bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna. Ces invocations sont très importantes. Au nom d'Allah, nous sommes rentrés et au nom d'Allah, nous sommes en sécurité. Sans protection, il est très facile, en effet, aux démons de pénétrer nos demeures. Il est très facile pour eux de nous accompagner sur nos lieux de travail, par exemple, ou pendant nos courses, nous causant autant de tort que possible. Essayons d'y penser. Voici donc maintenant notre seconde affaire. Notre histoire de ce soir concerne Ali, un jeune livreur d'un pays du Maghreb aussi. Ali a toujours livré partout. Enfin presque, il n'avait jamais fait de livraison aux portes du désert. C'est un travailleur intègre, sérieux et qui livre à temps. Un jour, il voit sur son itinéraire qu'il doit livrer justement un petit hanout, un petit magasin, aux portes du désert. Il prépare sa livraison, charge sa marchandise, donc de la viande et tout ceci dans un camion avec une chambre froide, et il prend la route. Il y a comme ça des endroits sur terre chargés d'une mauvaise aura si on n'est pas préparé. Ali est un jeune homme plein de vie. Il prie certes, mais il est jeune. Et durant ses trajets, il écoute donc ses musiques préférées. Il est une proie alors idéale qui va traverser un endroit très mystique, très fréquenté par les entités appelées djinns ou démons. Donc Ali roule tranquillement, le cœur complètement ailleurs par l'envoûtement de la musique. Il arrive près d'une station au crépuscule. Et la nuit commence donc à tomber. Très fatigué, il se dit « Tiens, je vais m'arrêter un peu ici et me reposer. » Il se gare et se laisse aller un peu au sommeil. Mais après un certain temps, il entend des bruits venir de l'arrière du fourgon. Comme ça, là, en pleine nuit. Alors il commence à ouest-ouest. Il commence à avoir peur. Il n'y a rien aux alentours. Et la station est très peu fréquentée au vu de l'heure qu'il est. Alors d'où viennent ces bruits ? Il descend alors, ouvre le frigo du camion, mais il ne trouve rien à part sa viande accrochée et ses poulets égorgés. Il referme son frigo et retourne se reposer en se disant que c'était peut-être un animal qui s'était juste cogné sur la voiture. Ali est donc dans sa voiture, le sommeil le gagne à nouveau, quand d'un coup il entend des bruits très forts, encore dans la chambre froide du camion. Comme si quelque chose de très lourd et à l'arrière du véhicule écrasait la voiture. Quand il tombe sur un homme en sortant, il lui dit « Salam alaikum mon frère ». L'homme lui dit « Hé, tu as l'air effrayé, que se passe-t-il ?» Ali lui dit « Mais tu n'entends pas le bruit qui vient de mon véhicule ?» L'homme lui dit « Non, j'entends rien ». Ali pète alors littéralement un câble. Il lui dit « Mais non, c'est impossible! Dis-moi que tu n'entends pas ce que j'entends là, j'entends un bruit qui vient de l'arrière de mon véhicule !»
et les deux hommes ont alors ouvert la chambre froide du véhicule, mais il n'y avait rien. L'homme dit alors à Ali, « Mon frère, la route t'a rendu fatigué, va te reposer, car tu sembles vraiment très très fatigué. » Et il est parti faire ses affaires lui aussi, en lui disant « Hayya, salam alaikum. » Le livreur, au bord de la crise de nerfs, décide de dormir sur le toit cette fois-ci, sur le toit de la fourgonnette, pour surveiller au cas où les bruits reviennent. Et il se recouche et il s'endort. Et après un certain temps, bam ! Et à nouveau des bruits. Réveillé par un bruit terrible cette fois-ci. Là, il saute. Il ouvre la porte du frigo. Il entre à l'intérieur. Il entend des bruits au fond. Alors il avance entre les pièces de viande accrochées et les poulets égorgés. Quand tout d'un coup, la porte du camion s'est refermée toute seule derrière lui. Ali s'est alors retrouvé pris au piège dans le noir, seul au milieu de toutes ces pièces de viande. À ce moment-là, il a été transpercé par la peur. Son cœur allait s'arrêter. Imaginez-vous, seul dans le noir, dans une chambre froide, enfermé aux portes du désert, à une station quasi vide, avec rien autour, des pièces de viande et des animaux égorgés. Un moment très flippant, c'est clair. Ali, effrayé, s'est mis alors à hurler. Il a crié de toutes ses forces, il a imploré Allah. Ya Allah, Ya Allah, Halloul Beb, ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte. Mais dans cette situation glaçante, personne n'a entendu Ali. Il s'est alors évanoui. Et il s'est réveillé au petit matin, allongé avec autour de lui les gens de la station qui lui demandaient ce qu'il avait et pourquoi il était allongé seul au milieu du parking de celle-ci. C'est alors qu'il leur a raconté son périple de la nuit et leur a dit qu'il s'était retrouvé enfermé dans le noir, dans le fourgon, après avoir entendu plusieurs fois des bruits et des sensations étranges. Les gens de la station se sont alors regardés et ils lui ont fait quelques confidences. Mon frère, les gens du désert sont nés ici et ils savent très bien que le désert est fréquenté par les démons. Alors ils s'en protègent. Tu as été victime d'un esprit frappeur appelé djinn qui s'est joué de toi et t'a fait peur. C'est très fréquent ici, surtout chez les voyageurs comme toi, qui n'en ont pas connaissance. Ali n'a alors plus jamais voulu livrer dans le désert. Il a dit que même sur le chemin du retour, il avait vu des apparitions effrayantes, comme des gens au visage déformé, qui souriaient et lui disaient « Salam » de la main, avec un sourire effrayant. Une fois les yeux dans le rétroviseur, ces personnes ou apparitions avaient totalement disparu. Savoir où l'on se rend est important et avoir le réflexe d'invoquer Allah quand on ressent des choses bizarres, des choses étranges, peu importe l'endroit où on se trouve. Cela est semblable au fait de brandir un bouclier. Un jour, alors qu'une connaissance était invitée, elle ressentait comme ça des crises d'angoisse dans le salon de la personne qui l'avait invitée. Cette même personne était pourtant très très gentille et invitait souvent du monde. Mais sa maison dégageait un malaise, une sensation maléfique. Notre connaissance a alors pris l'habitude de réciter le verset du trône en se rendant là-bas au cours d'autres invitations. Et c'est ainsi qu'elle a pu stabiliser son cœur par rapport à ce qu'elle ressentait là-bas. Veillez à toujours brandir votre bouclier, peu importe où vous allez. Et nous voici à notre troisième et dernière affaire effrayante. Je vous raconte à présent l'histoire de Samira. Depuis qu'elle est jeune, Samira est fan de films d'horreur. Pour elle, une bonne soirée, c'est forcément avec un bon film d'horreur. Bon, Samira, entre-temps, grandit
Elle se marie et elle accouche d'un beau petit garçon. Un soir, alors que son bébé s'endort tout doucement, il est tard et elle se dit qu'elle pourrait regarder un film d'horreur. Elle met donc un film, elle le choisit. Il est indonésien, sous-titré. Son film raconte alors l'histoire d'un sorcier qui va attaquer avec les démons les habitants d'un village, plusieurs familles, pour obtenir d'eux des biens et du matériel. La soirée se passe bien, Samira est plongée dans son film, mais c'est alors que son bébé commençait à tout doucement s'agiter. Et plus le film avançait, plus son bébé se mettait à s'agiter jusqu'à commencer à pleurer. Et alors, il se mit à se tordre de douleur. Elle essayait en même temps qu'elle le berçait de suivre le film. Mais à ce moment-là, son bébé éclata en sanglots. La scène, au moment de l'éclatement en sanglots de son bébé, était la scène où le sorcier faisait des incantations diaboliques. Mais comme je vous le rappelle, c'était un film sous-titré. Elle ne comprenait pas la langue avec ses oreilles. Elle était obligée de lire les répliques. C'est alors que, au moment où le sorcier faisait des incantations, son bébé était devenu ingérable. Il pleurait très très fort. Il s'est tordu de douleur et pleurait à chaudes larmes. À ce moment-là, c'est terminé. Samira ne faisait plus du tout attention au film. Et elle va vivre un véritable cauchemar ce soir-là. Son bébé va vomir et faire de la fièvre tout d'un coup, de façon très brusque. À l'aube, inquiète, elle va réveiller son mari qui va la conduire à l'hôpital. À l'hôpital pour enfants le plus proche. Son enfant sera alors très vite pris en charge et une batterie d'examens très poussée sera faite car il est petit, il n'a même pas 2 ans. Et après une longue journée d'attente interminable, on vient lui annoncer que son bébé développe une forme de cancer de l'estomac très 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 rare. Samira va rentrer chez elle et entamer les traitements pour son bébé, qui décédera malheureusement quelques temps plus tard. Quelques mois passent, et alors qu'elle est avec ses sœurs, qui la réconfortent souvent et viennent souvent lui tenir compagnie, pour l'accompagner dans son deuil. Un soir, elle va quand même donc décider de remettre ce film. Et c'est alors que la scène du sorcier arrive. Et Samira et ses sœurs sont très concentrées dans le film et elles lisent tous les sous-titres. C'est alors que Samira lit le sous-titrage quand elle sent son cœur qui va exploser. Car en lisant, elle découvre que le sorcier, dans cette scène, demande la maladie et la mort des enfants de la famille qui l'attaquent. Elle sera elle-même affectée par son film plus tard. Tout comme ces nouveaux films qui sont au top 50 des films d'horreur, les plus regardés de la planète, on ne doit pas oublier qu'une des portes d'entrée des démons sur le fils d'Adam, c'est lorsqu'ils angoissent, ils s'effraient. D'ailleurs, c'est interdit de faire peur, même pour rire. Car parfois, il y en a un là parmi eux, les démons, qui peuvent nous suivre partout, en attendant le bon moment, pour nous posséder. Et quand cela arrive, ensuite la tourmente de ce qui nous fera vivre comme attaque sera plus grande, et le combat à mener pour s'en sortir plus grand et plus long aussi. Alors évitons de nous jeter seuls dans la gueule du loup. Soyons prudents, personne ne peut nier que ces entités existent et personne ne sait par quelle voie vraiment elles nous attaquent, qu'on soit petit ou grand. Et sachez que les films d'horreur constituent une porte vers la facilité à rentrer en contact avec nous. Parce qu'encore une fois, on a peur ou on peut être effrayé, et par cette voie-là, certaines choses vont se passer. Il a été démontré, et également,
que des vraies scènes de sorcellerie ont eu lieu dans certains films, pouvant affecter les téléspectateurs, ou les spectateurs, je ne sais plus comment on dit. Qu'Allah nous préserve, amis. Bon voilà, c'est terminé pour ce soir, ou presque. Et oui, car nous avons une petite surprise, c'est cadeau pour Ramadan. Un cadeau ramadanesque, une dernière petite histoire pour le plaisir, pas très longue, car le temps est précieux, surtout pendant Ramadan. Alors laissez-moi cette lumière tamisée. Concentration, et c'est reparti. Saviez-vous que le Cheikh Ibn Baz avait un djinn qui étudiait chez lui? Oui, cher ami. Un démon qui faisait partie des djinns, qui était un djinn quoi, a étudié auprès de Cheikh Ibn Baz. Cette histoire s'est passée à l'université où l'éminent savant donnait cours. Petit retour sur qui était Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz est un immense et éminent savant des sciences islamiques. Il était aussi responsable de l'université de Médine. Il est décédé aujourd'hui, mais sachez que c'est un savant dont le souvenir et la grande piété ainsi que la réputation n'est plus à refaire, même des années après sa mort. Cheikh Ibn Baz avait un chauffeur qu'on appelle Abu Yusuf el-Ramidi. Donc Abu Yusuf, c'est le chauffeur de Cheikh Ibn Baz. À l'époque, c'était son chauffeur. Donc, Abu Yusuf, il nous raconte qu'à l'époque de Cheikh Ibn Baz, certains étudiants étudiaient auprès de lui et dormaient dans des chambres universitaires qu'ils se partageaient deux par deux. Un jour, alors que justement Cheikh Ibn Baz se trouvait avec son chauffeur, donc Abu Yusuf, il voit arriver en courant un étudiant soudanais avec un visage figé par la peur. L'étudiant dit au Cheikh d'une voix tremblante « Salam alaikum Cheikh, salam alaikum Cheikh, le nouvel étudiant africain qui étudie avec nous depuis peu. Hier Cheikh, hier, il s'est passé quelque chose d'effrayant, quelque chose de pas normal avec lui Cheikh. » Le Cheikh, très clairvoyant, lui demanda alors plus d'explications. C'est alors que l'étudiant soudanais lui raconte « Cheikh, mon lit est très éloigné de la porte. Quand on s'est mis au lit pour dormir, chacun dans son lit, évidemment, j'ai demandé à ce frère de se lever. Dans certaines histoires, le frère lui demande d'éteindre la lumière et il y a un espèce de niqash entre eux. Éteins-toi. Voilà. Donc il dit, j'ai demandé à ce frère de se lever pour fermer la porte et éteindre la lumière. Pour fermer la porte, pardon. Il m'a alors regardé sans parler et il a tendu sa main pour la fermer. Sauf que son lit, cher, est aussi éloigné que le mien. Or, il a juste tendu sa main et malgré la distance, il l'a fermé sans se lever. Mon sommeil est parti, cher, et je pense qu'il est parti jusqu'au jour de la résurrection. J'ai été effrayée toute la nuit, et je me demandais comment c'était possible. Il ne doit pas être humain, c'est impossible. Le cher répondit, « Khair, Inch'Allah, il n'y a que du bien dans cette affaire. Retourne et appelle-moi cet étudiant. Dis-lui de venir me voir, dis-lui que le cher l'appelle. » C'est alors que l'étudiant se présenta et le cheikh lui demanda « Je te demande par Allah, le Tout-Puissant, le Sage, fais-tu partie des hommes ou des djinns ?» Ce djinn se faisait appeler Omar. Omar répondit au cheikh « Puisque tu m'as demandé par Allah, eh bien je vais te répondre ce que je suis. » Je fais bien partie des djinns, mais je fais partie des bons djinns, ceux qui croient. Et je suis venu étudier auprès de toi et auprès des savants l'islam et ses préceptes pour l'enseigner à mon tour, à mon peuple.
Le shir dit à ce djinn qu'il pouvait étudier auprès de lui, mais qu'il devait lui faire la promesse de ne pas changer son apparence et de ne plus étendre sa main comme il l'avait fait la veille, effrayant l'étudiant soudanais. Abu Yusuf nous raconte encore que parfois, en tant que chauffeur, lorsqu'il rencontrait Omar sur la route, il lui proposait de le déposer en même temps. Il lui disait « Omar, souhaites-tu que je te dépose ?» Et Omar de lui répondre « Non, car j'y serai avant toi. » Vous savez tous que les djinns sont très rapides. Ils ne se déplacent pas comme les humains. C'est pour cela qu'il disait que Omar le djinn disait à Abu Yusuf « J'y serai avant toi. Tu me proposes de monter avec toi, mais en réalité j'y serai avant toi. » Parce que dans ma condition de djinn, je vais très vite. C'est pareil, quand les étudiants finissaient leur cursus, on leur donnait un billet retour pour qu'ils rentrent chez eux dans leur pays. Mais quand ce fut le tour de Omar, il a refusé le billet en disant qu'il était plus rapide que l'avion pour rentrer chez lui. Wallahu a'lam. Mais il faut savoir qu'ils sont parmi nous. Il est donc important de sortir son bouclier par le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est important de lui faire confiance et de se conformer à ses règles, car lui connaît le monde de l'invisible, quand nous ne le connaissons pas. Et n'oublions pas l'histoire de la jinnia qui enseignait le Coran derrière un rideau, Sheikh Muqbil en parle. Et aussi le démon qui se présenta à Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Ils sont parmi nous. Alors ne sous-estimons pas le pouvoir des invocations. Et encore plus dans ce mois béni. On vous souhaite encore une fois un excellent Ramadan, plein de crainte, de méditation, de générosité et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. À la semaine prochaine pour d'autres affaires spirituelles et étranges. Prenez soin de vous et des vôtres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.